Merde, oh non, j'ai des tensions dans les câbles. Ça, c'est un coup à bousiller mon matos. Oh, j'aime pas ça. Bonjour tout le monde, hein, pardon. J'espère que vous allez bien, mais... Oh non, mais où est-ce qui est parti courir le câble? Ah oui, alors là, déjà, c'est beaucoup mieux. Je sais même pas si mon truc est bien cadré. Je fais un truc à la ramasse, non. Ah ben non, je peux pas faire comme ça. Oui, super hygiénique. Je vais me faire tomber au sol mon mouchoir. Joueur. Enfin, au moins, non, vous voyez à peu près bien ma tronche bien éclairée, mais. Oh. Ah non, mon bras est pas assez long. Et je vais me bousiller le dos. Non. Il restera au sol. J'ai plus le droit de me moucher. Génial. Ah, putain, j'ai jamais été aussi long sur l'écran titre. C'est la première fois que j'entends le truc générique complet. Et il reconnaît pas ma manette. Oh, je sens que l'ordi m'en veut. Ouh, il est en train de me faire des misères, l'ordi. Pourquoi il me reconnaît pas la manette, cet abruti? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Non, merde, je me suis trompé de... Ah, c'est parce que je... Oui, d'accord. J'avais pas focus. Minute papillon, je reviens sous mon logiciel de chat. Parce que du coup, je loupe tout le monde si je zigouille le truc. Voilà, on y retourne. Oh merdoum. Ouais, c'est le perso d'origine, ça. J'aime plus ce que j'ai en magasin. Bah, allez, on va faire la demoiselle. Allez, go. Bref, excusez-moi, je rigole spontanément de choses que j'ai vécues en semaine qui me reviennent subitement en mémoire. Oui, je suis bête. Merde, oh, puis elle est chiante. Très bien. La pierre a fait le job à double coup. Si, ça vaut le coup d'aller par là. Il y a de la tunache. Alors, attends. C'est quoi qui est tout en haut? Un lingot, oui, moi. Je vais mépriser ce lingot. Littéralement. Yeah. Oui, non, non, oui, oui, non, non, oui. Voilà. Oh. Oh.
j'adore. Comment j'ai neutralisé tous mes adversaires. Oh, la sacro-sainte pioche. Le jeu serait-il gentil avec moi cette semaine? Je rappelle que c'est du pur hasard. Mais l'ivresse de la pioche. Merde. On y prend goût. Eh ouais, bonjour monsieur. C'est rigolo. On a tant qu'à faire. Honnêtement, j'aurais même pu d'ailleurs, et j'aurais peut-être même dû avant que le fantôme arrive à essayer de me bouffer la tronche, de creuser là où il y avait les pépites dans le sol. J'aurais pu y aller au forcing. Enfin, si on appelle ça du forcing, mais bon, bref, vous m'avez compris. Oh mon dieu! Comme j'aime mal esclamer. Ah, la jouissance de la pioche. Oh oui! Oh, près de ma blonde, ti-da-di-da-di-da-da. Oui, j'allais dire, cette configuration est d'un débile. Oui, je sais que t'es là, maman. Attends, moi, ce que je sais pas, c'est... Oui, non, ça va, Tu peux t'en aller. Oh. Ah oui, donc si je lance là, ça tombe... Même pas. Bon, bref. Ah, mais... Cochonnerie! Regardez. Que signifie? Je n'accepte pas. Bon. La question est, où vais-je? Oh non! Putain, c'est chiant là. Attends. Ah, il y a un marchand! À ce niveau, il y a un marchand. J'ai des prix, chaleur machin. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pioche, moi? Oh, ne me dis pas que j'ai laissé en haut comme un gros nigo. Ne me dis pas. Si, je l'ai laissé comme un gros nigo. Je suis un abruti, mais ça, vous le saviez déjà. Perdre une situation, bêtement une situation avantageuse. Non, mais. Oh là 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 là. Ah. Je vois des choses. Merci, monsieur. Je vois des choses qui me plaisent. Des choses. La vie en rose. Ah, elle est où la blonde? Ah! Elle a de l'humour là. Merde quoi déjà? Non mais c'est un scandale, mais. Mais non mais. Non. Non. On va pas s'entendre toi et moi. Tiens, mange-toi un coffre dans la gueule. Non! Non! Je vais sacrifier une corde pour lui passer par-dessus! Et regardez cette feinte merveilleuse! Je ne sais pas si je vais pouvoir la faire deux fois. Puis là, faut que j'embarque la bombe. Là, ça va mal se finir, mon truc. Je récupère ma pioche et je me barre. On voit que j'ai gagné en expérience. Hein. Je suis plus hardi. Ping 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 ping. Oh la pauvre blonde.
d'entrée de jeu. C'est mûche. Oh, la caisse de matos. Oh, les caisses de matos. Ouais. Au. Je me suis fait peur. J'irai faire la bombe. Ah, alors est-ce que je peux... C'est pas mal. Attends. Ah, c'est génial. Ouais, attends. Et en fait, j'ai pas trop le temps de la réflexion, parce que fantôme m'oblige. Donc, c'est une blonde. Hein. Non, mais... Je suis trahi par ma manette. J'ai un petit défaut au niveau de la manette, sérieusement. Et Merde, mais attends, mais je suis... Non, j'ai tout faux. J'avais oublié qu'il y avait une autre caisse ici. Il faut niquer la toile avant de pouvoir faire usage de la... De la pioche. Ah, alors elle, elle va pas m'aider. Elle va pas m'aider du tout. Pas m'aider du tout. Ben voilà. Dis-moi papa, je sais quand on va où. Ah. Ah. Nous avons un problème. Oh putain, mais c'est pas vrai. Ah bah c'est très bien. Mais non. Ah, une cage, je peux et ça pète pas. Je savais pas. Oh non, non, non. Mais non, mais... Ce jeu est dur. Alors attends, forcément là c'est la violence. Ah merde, con, j'ai confondu un bloc de pierre avec une caisse de matos. C'est mûche. Simuche, simuche. Puis oui, avec mes âneries, j'ai perdu ma pioche, quoi. C'est pas la fin du monde, mais bon. Burp. Oh ho ho ho! Je n'y résiste pas. Attends, toi déjà, tu meurs. Rocher. Oh, joli! C'était beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau à beau. Oh. Il va me faire bandit. Il y avait un commerçant. Ça. Alors, j'aimerais bien, mais je sais pas si je peux. Oh, j'ai des bombes, Crotum. J'irai faire la bombe. Voilà, exactement. Le mec qui n'ose pas. C'est quoi le colis? Bon bah c'est bien. Ouais non, tant pis. J'ai merdé mon son, j'ai merdé mon son. Alors j'ai le pout-pout à Kali qui est là. Je fais nymphe. Ah tiens, le boulet est resté là. Est-ce que je peux faire sauter le boulet, tiens? J'ai jamais essayé. Oui, parce que c'est la figure, c'est tout.
Ah, il continue sa course, je l'ai relancé. D'accord. Ah, c'est bon à savoir ça. D'accord. Merde. Oh putain. Pardon. Oh punaise. Aïe aïe. Hop hop hop. Retourne parmi les morts. Non. Cochonnerie. Qu'est-ce qu'il veut? Oh non, j'ai pas. Oh là là. Alors là, je l'ai lamentablement géré. Oh, il y a de la thunesse. Quelque chose et de la thunesse. Si, thunesse qui vaut le coup. Spike my bishop. Non. Comment que le jeu il me guac. Mais c'est la règle. C'est terrible. C'est ainsi. Le bijou, le bijou. Ah, mon dieu. Ce genre de fifou. Alors, pouk. Ouais, boum 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 boum. Oh, la bombe qui est là, dis donc. Incroyable, dans l'ombre du tableau. Bonjour René. Alors, ça va dans l'ensemble, merci, c'est juste que j'ai une grosse fatigue intellectuelle parce que je sors de formation. J'ai un effet, tu sais, dans le film The Matrix, après le cap dans la nuque. I know Kung Fu. Je connais le Kung Fu. Tu vois, ça fait l'effet là. Donc j'ai eu un... Pas un lavage de cerveau, mais une bonne lobotomie appliquée, là. Et... C'est violent. Mais cool, hein, ça va bien. J'espère que toi aussi, tu vas bien, Ronnie. Merci à toi d'être là. Oh, t'es le premier arrivé. T'es le premier arrivé. Lol, je déteste les formations. Ouais, mais bon... Pour se mettre à jour au niveau taf. Merde, je sais, pardon, je sais plus jouer. C'est nécessaire, quoi. Bon, puis moi, hein, je suis dans l'informatique, donc. Y a pas que les machines que tu mets à jour dans le métier, hein, y a les hommes aussi. Et ça a été mon cas cette semaine. Oh merde, la malheureuse. Il est mort, la malheureuse. Burp. Ah bah non. Non. Oh là 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 là. C'est tout le massacre. Oh là là. Oui, elle est morte. Là, c'est sûr, elle est morte, la blonde. Ah! Mais moi, j'ai failli y rester. Bêtement, une fois de plus. Ouais, bon bah... Tiens, j'ai gagné un coffre. J'ai pas le droit d'embarquer le coffre. Moi aussi j'ai formation en octobre, j'aime pas ça. Ouais, bah ouais. Ouais, tu vas l'avoir dans... Ça va quoi? Ça fait 7 semaines. Dans 7 semaines, tu auras ta formation. Ouais, c'est la vie, mais c'est nécessaire.
Bah oui, bon, là, je vois, je lis que t'as une formation qui dure 2 jours. Moi, la mienne, elle a duré 5 jours. Donc. Enfin, en même temps, la durée de la formation veut pas dire grand-chose. Mais. Tiens, d'ailleurs, j'ai appris un truc au niveau de la législation du code de travail. Quand j'ai lu avant de signer mon contrat de formation, je savais pas. Mais au bout de, je crois, un truc du genre 600 heures de formation, la loi t'oblige à avoir un délégué, pas syndical, mais un délégué de formation, je sais pas quoi. C'est une subtilité du monde du travail que je ne connaissais pas encore. Mais c'est l'enfer, les niveaux dans le noir. C'est le contenu du personnel, hein? Oh, le monsieur va me plaire. J'achète vos bombes. Parce que j'irai faire la bombe. Ah, les scarabées, ils m'en foutent aussi. Bon, voilà, je vais me laisser chuter. Hop là. Oui, non, ce que j'ai fait était pas très malin, mais... Oh, calmos, le serpent. Oh non, mais il y a... Des serpents partout. Oh là 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 là. Ouais, tu m'étonnes que j'étais piqué par un scorpion. Ouais, enfin, non, c'est pas délégué. Ouais, oh, quoique... Oui, si, peut-être, je sais plus le terme. Mais il y avait l'idée qu'au bout de 600 heures de formation... le code du travail t'oblige à élire dans ton groupe de stagiaires, enfin de stagiaires, de gars formés, quelqu'un doit être désigné chef par vote interne, de délégué de je sais plus quoi, de formation. C'est pas con, hein? Mais je me souvenais pas que le code du travail exigeait ça. Alors évidemment, ça n'a pas du tout été mon cas, parce que ma formation, elle a fait quoi? Elle a fait 35 heures, et encore même pas, c'est faux. En fait, j'avais pas mal d'heures, moi, en solitaire, à me réexercer à ce que je venais d'apprendre l'heure précédente, quoi. Enfin, bon, bref, je vous raconte ça. Mais très bien. Moi, par contre, je suis super satisfait de ce que j'ai appris. Non, non, franchement. Ça va m'aider dans le futur au niveau de mon boulot. Et j'ai vraiment la motivation de mettre en œuvre ça assez rapidement. Que ça devienne presque un réflexe chez moi dans ma méthodologie de travail. Ouais. Oui, alors moi j'ai eu. Alors moi, tu vois, j'ai eu 5 jours denses. Voilà. C'est le résumé de ma semaine. Sans déconner, de toutes les formations que j'ai faites, je crois que celle-là qui m'aura plus foutu le cerveau en béchamel. Et de loin. Oh, mardi soir, j'étais dans un état. Mardi soir, sans déconner, c'est limite si je savais encore ouvrir un navigateur internet. C'est te dire l'état dans lequel j'étais de... J'étais rincé. Non, pourquoi je vais là? Moi, je suis. C'est pas très gentil tout ça. Cette configuration de tableau, c'est la molle. Oui, je le dis! Oh non, il y a déjà le fantôme de mes deux. Ouais, barre-toi. Non, tu peux pas te barrer. Bon, attends, on se barre ensemble. Attends, évite le... Ouais. Moi, par contre, je suis dans la mouise. Une bombe. Non, comme ça. Voilà, j'ai perdu mes bombes, mais tout va bien. Barre-toi! Oh, j'ai le droit de me barrer avec la jarre. Ça, par contre, je me souvenais pas que je pouvais pas me. T'as réussi à tout retenir? Bah, non, non, tu peux pas. Non, 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 c'est beaucoup trop intense.
comment t'expliquer? Si tu veux, j'ai appris la philosophie du logiciel, comment l'approcher, comment le connaître, si tu veux. Alors, je me suis acheté un cahier, hein, comme un écolier, je suis vieille école. Ah, je vois ce petit sap qui lance Starbound, on va se lancer dans les étoiles. Comment t'expliquer? J'ai appris à me familiariser avec l'interface du logiciel qui est hyper lourde. Hein, c'est des. C'est, bah, pour rien te cacher, c'est Blender. Je sais pas si ça te parle. C'est pour faire de la modélisation 3D. J'ai presque envie de dire que ma maîtrise du logiciel va démarrer seulement dans le futur, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai pas les mots là, tu vois. Mais non, tout retenir ce qu'il m'a enseigné, c'est impossible. D'ailleurs, c'est simple. À la fin, il m'a dit tu prends maintenant des tutos sur internet et tu reproduis la technique par les passionnés du logiciel en même temps. C'est comme ça que ça rentre dans la caboche, dans le crâne. Et que tu finis par développer des automatismes, quoi, qui sont nécessaires à la bonne maîtrise du logiciel. Et je dirais être rentable en temps et en heure. Oui, recoucou petit Seb, hein. Je présume que tu m'entends, que tu es déjà connecté à mon Twitch. Je termine ma partie de là et puis je te rejoins dans Starbound. Je t'ai vu. Alors j'ai repéré la sortie. Je joue très mal. Oh là 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 là. That's a wanna give up, ba-da-ba-ba-da-ba. Coucou petit Seb, je finis ma session de la mort là, l'araignée elle est super bien placée. On part dans les étoiles. Ouais, lance de ton côté, vas-y. Je termine ça et puis. Ah mais c'est l'enfer. Oh joli. Après la clé, j'en ai rien à péter, le coffre, je sais pas où il est. Non, je sais plus jouer. Je fais de la mouise. Il y a quoi en bas? Il y a de quoi semer le désordre et le chaos et j'ai fini et tu vois, je fais de la mouise. Pidu! Ah! J'ai des médouilles qui tombent. Bon, Yotolota! Comment allez-vous les amis? Alors, je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. C'est juste que je suis rincé intellectuellement. Voilà, c'est ce que j'expliquais dans le détail à Ronnie, qui avait la gentillesse de m'avoir posé la question 10 minutes auparavant. Et ça va, mais le cerveau, j'ai besoin de vide. Voilà, vous allez me ressourcer, hein, les copains. Dans les heures qui suivent, vous allez me ressourcer. Vous allez me revoir redevenir davantage foufou et impliqué dans les jeux. C'est ça, exactement, Torota. Week-end détente et décompression. Il faut que j'éclaire ma catégorie de Starbound. J'ai deux Star.